Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui dont on avait bien besoin sur le sujet des gens du voyage sur la commune qui a fait polémique. On y va. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude et pour cause il s'agit d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup réagir sur la ville de Fâche-du-Ménil et sur ses réseaux. La vidéo va être donc plus longue que d'habitude. Je vous demande d'avoir la patience de la regarder jusqu'au bout parce que peut-être que vous avez entendu des infos, des rumeurs, peut-être même des fake news concernant ce sujet-là. Je veux parler évidemment du sujet des gens du voyage sur la commune de Fâche-du-Ménil. Je vais vous faire un petit historique hein, de ce qui s'est passé depuis 2021 et où on en est à date, et je pense que ça va répondre à beaucoup d'interrogations, voire de rumeurs comme je le disais juste avant. En 2021, la métropole européenne de Lille nous a contactés en disant « Ville de Fâche-du-Ménil, vous devez mettre en place 11 logements adaptés sur la commune pour vous conformer à la loi. » Puisque depuis l'année 2000 et la loi Besson, toutes les villes au-dessus de 5000 habitants sont tenues d'avoir des installations pour les gens du voyage sur leurs limites communales. Remarquez bien que ça fait quand même 20 ans que Fâche-du-Ménil ne s'est pas conformé à cette obligation. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de densité de construction et en plus que une partie de la ville n'était pas en champ captant. Donc il y avait quand même davantage de possibilités de trouver des terrains. Ça n'a pas été fait en 20 ans. Et je vous expliquerai par la suite, vers la fin de la vidéo, les seules tentatives qui avaient été faites, mais qui étaient ridicules et qui étaient une manière de dire « Vous avez vu, on a proposé des endroits » tout en sachant que ça ne serait pas accepté. Bref, on s'est mis au-dessus d'une carte, les élus, et puis on a essayé de répondre à la commande de la métropole qui était avoir des endroits en termes de dimension qui étaient intéressants, évidemment, pas que ce soit une toute petite poche, il faut imaginer quelque chose d'un petit peu aéré, et d'accessible, évidemment, c'est-à-dire proche des axes de communication importants. On a fait 6 propositions et puis après ça a suivi son cours. Et en mars 2022, la métropole nous a recontactés en disant ben voilà, on a choisi dans ces 6 localisations 4 endroits qui nous paraissent pouvoir fonctionner. Et ça, je vous dis, c'est en mars, hein, en mars 2022. Et puis tout de suite, ils me disent ben, on va commencer à faire des réunions de concertation. Et moi, je leur dis ben, venez à Fâche-du-Ménil. Parce que ce n'était pas prévu à la base. Le truc, c'est qu'ils ont réservé la salle Baron, mais mon service communication n'est pas au courant des réservations à la salle Baron. Et après, la mail n'est pas revenue vers le service communication ou les autres pour dire « Attention, mettez bien, faites bien la publicité parce qu'il y a une réunion de concertation sur la thématique gens du voyage à Fâche-du-Ménil. » Et moi, quand je suis arrivé à la salle Baron sur cette première réunion de concertation au début avril, ben, il n'y avait pas de Fâche-du-Ménilois, il y avait des Wascaliens. Et ils me disent « Ah, c'est bien, monsieur le maire, vous avez fait l'effort de proposer plusieurs endroits. » Et je leur dis « C'est bien, j'en sais rien, il n'y a pas de Fâche-du-Ménilois. » Et j'avais dit à la mail « Il faut que vous reveniez, on va faire une réunion de concertation où on fera la communication parce que c'est pas normal, moi ça ne me convient pas qu'il n'y ait pas de Fâche-du-Ménilois. » Alors évidemment, il faut me croire sur parole vu que vous n'y étiez pas. Et les gens de la MEL peuvent confirmer ces dires-là sans problème. Le lendemain, je réponds à une interview dans La Voix du Nord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains m'ont dit « Oui, le maire ne fait pas de concertation, il essaye de cacher la poussière sous le tapis et de faire passer ça incognito. » J'estime quand même qu'il y a des meilleures manières de faire passer des choses incognito que de demander à la MEL de venir faire une réunion de concertation, de répondre à une interview dans La Voix du Nord où on sait que globalement, il va y avoir un article, ça va être mis sur les réseaux sociaux et après, voilà, quoi, tout le monde va le savoir. Et en plus dire qu'on ne fait pas de concertation, on était à ce moment-là sur la période de concertation justement, parce qu'il y a une période de concertation où les gens peuvent s'exprimer sur le site internet et peuvent venir en réunion pour donner leur avis. Donc voilà, ces faux procès qui consistent à dire il n'y a pas eu de concertation, ben dire ça pendant la période de concertation, c'est quand même un petit peu, il me semble, une vue de l'esprit, un minima, peut-être une malhonnêteté intellectuelle, deuxièmement. Alors, le projet d'habitat adapté, gens du voyage, qu'est-ce que c'est? L'habitat adapté, il faut se retirer les aires d'accueil comme on les a connues il y a 20 ans avec une trentaine ou une quarantaine de caravanes qui arrivent sur un endroit avec des communs qui, en général, bah, après sont squattés à l'année, on le sait. Voilà, c'est plus ça du tout. Là, on est sur
vous devez faire 11 habitats adaptés. L'habitat adapté, c'est quoi? C'est un logement en rez-de-chaussée avec un carport sur le côté sur lequel on met la caravane et les gens habitent à cet endroit-là, sont résidents. Si vous voulez, c'est pour des gens du voyage qui sont nomades mais en voie de sédentarisation, qui ont envie de se poser, de scolariser les gamins, de bosser dans le coin, voilà. Et mais qui ont la possibilité à un moment de pouvoir reprendre la caravane et repartir à un mariage, à une réunion familiale ou religieuse ou que sais-je. Voilà, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus doux, c'est-à-dire que nous, on avait imaginé le mettre sur deux sites différents, en mettre 5 à un endroit, 5 habitats adaptés à un endroit et 6 à un autre. Ça veut dire que globalement, il y aurait eu 5 caravanes à un endroit sous un carport sur de l'habitat. Quoi. Donc c'est vraiment, il faut vraiment s'enlever de la tête les intrusions illicites qu'on a pu connaître sur la ville avec 50 caravanes qui arrivaient à un endroit, qui se branchaient sauvagement sur l'électricité, sur l'eau. C'est pas ça du tout. Là, les gens, ils ont leur poubelle, ils ont leur accès à l'eau, à l'électricité, comme tout le monde, en fait, tout simplement, quand vous êtes locataire d'un bien. C'est ça le projet d'habitat adapté. Donc, 4 endroits avaient été proposés. Sur un bout du parking d'Auchan, rue Anatole France, rue du Faubourg d'Arras et avenue du Général Leclerc. Au fur et à mesure, il s'est trouvé que certaines options disparaissaient. C'est-à-dire que j'ai dit à la mail, bon écoutez, l'option rue Anatole France, elle ne tient pas. Parce que en y regardant quand même de plus près, il n'y a pas beaucoup de largeur sur cet axe. Hein. Pour ceux qui ont déjà pris la rue Anatole France, vous connaissez les difficultés de circulation déjà à cet endroit-là. On n'a pas l'emprise foncière et on ne l'aura certainement pas tout de suite. Donc Anatole France, vous me le retirez. Et ça date déjà d'il y a plus d'un mois. Ensuite, Auchan, pareil. Dans différentes discussions, il s'est trouvé que Auchan n'était pas du tout d'accord avec ça, et que c'est du terrain privé et que globalement, il ne voudrait jamais. Donc l'option Auchan, elle a disparu. Il restait avenue du Général Leclerc, à l'emplacement de l'actuel UIMM, l'Union de la Métallurgie, hein, des syndicats de la métallurgie, et l'avenue de la rue du Faubourg d'Arras. Il s'est trouvé que sur le site de l'UIMM, je les ai contactés hier, avant-hier, et ils m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient plus pour volonté de partir. À la base, nous, pourquoi on avait mis cet endroit-là, on n'est pas des furieux, c'est parce qu'ils nous avaient contactés et on avait compris qu'ils voulaient déménager, aller ailleurs. Sinon, évidemment, on n'aurait pas mis l'endroit. Là, ils nous disent, bah, on a changé nos plans, on va plus partir, on va rester là. Bah, écoutez, on n'a pas de raison de s'acharner à cet endroit-là. Donc, évidemment, on a dit à la métropole européenne de Lille qu'on retirait cet endroit de la concertation. Donc, il reste un endroit qui est la rue du Faubourg d'Arras, où les 11 emplacements iront, et qui est un endroit qui, en plus, ne crée aucune difficulté, puisque la rue du Faubourg d'Arras est quand même facilement accessible. On a des écoles pas loin, on a des centres commerciaux pas loin. Voilà, ça coche et assez peu de riverains dans l'ensemble. Cet endroit a beaucoup de qualité. Quoi, pour y mettre de l'habitat adapté des gens du voyage. Mais ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est que sur ce sujet, au niveau du site de l'UIMM, l'avenue du Général Leclerc, il y a eu trois types de réactions. Des réactions profondément xénophobes, presque racistes, et j'ose le terme, parce que vraiment, moi, j'ai eu des gens face à moi qui ont utilisé des mots que je ne peux pas valider, que je ne peux pas accepter et que je dénonce avec force. Vraiment. On parle d'êtres humains et on parle de gens qui ont des papiers qui sont français. On a eu des gens qui étaient inquiets, qui étaient de bonne foi, qui juste se posaient des questions auxquelles, évidemment, on a répondu. Et on a eu des gens qui étaient des adversaires, des opposants politiques et qui ont profité de ce sujet pour venir faire leur beurre là-dessus. Et je trouve aussi que cette attitude a été déplorable. Déplorable parce qu'il y a des fake news qui ont été balancées et qui ont eu des impacts sur les gens du quartier. Par exemple, rue de la Marne, qui n'est pas à côté de l'UIMM, qui n'est même pas en connexion, ils sont allés taper aux portes en disant « la plaine Mandela va être ouverte aux caravanes ». Alors que sur une discussion WhatsApp où j'étais, j'avais bien expliqué que ce ne serait pas le cas, qu'évidemment elle serait sécurisée comme elle l'a déjà été en partie.
J'ai moi-même été défendre les habitants du temps où il y avait des intrusions illicites. Pas pour ouvrir la plaine de Mandela aux caravanes. Mais ils ont tapé aux portes, donné cette fake news, tant et si bien qu'il y avait des gens qui étaient vendeurs de leurs biens, qui avaient signé un compromis de vente. Les acquéreurs ont entendu ça et ont dit, pleine Mandela ouverte aux caravanes, on n'achète plus, puisque c'était encore dans le temps où ils pouvaient se rétracter. Voilà les conséquences de ce que certains agitateurs et opposants politiques ont réussi à obtenir. C'est-à-dire que des gens qui avaient vendu leur maison pensaient être tranquilles, et ben non, l'étaient pas, à cause des fake news qui étaient balancées. Alors que je les avais rassurés, je leur ai dit non, pleine Mandela, il n'y aura rien. Que les gens de la rue de la Liberté soient inquiets et veuillent me voir, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, je précise que les gens qui sont allés faire des porte-à-porte, qui sont allés faire des pétitions, à aucun moment, ne sont venus dans mon bureau pour prendre rendez-vous avec moi, pour essayer de savoir quels étaient les tenants et les aboutissants du projet, comment les quantités, les emplacements, ce genre de choses. Il y a des gens, rue Anatole France, sont venus me voir. Des gens, rue Henri Barbusse, côté Auchan, sont venus me voir. Voilà. Moi, je reçois tout le monde. Les gens qui font des demandes de rendez-vous d'habitants, au maximum, évidemment, j'essaye de les recevoir. Et ce, à toute heure du jour et de la semaine. Eux, non. Mais c'est parce que c'était des opposants politiques. Ils avaient décidé que, de toute façon, ils étaient contre le projet, même sans le connaître, et ces implications ne leur allaient pas. Donc voilà. J'aurais pu, sur le site de l'UMM, vous savez, prendre une autre posture, hein. Dire, bah, puisqu'il y a eu ce bazar-là, bah, je m'acharne, je le maintiens, et je vais demander une DUP, une procédure d'expropriation à la métropole européenne de Lille, puisque c'est ce site convenait. Mais je ne vais pas le faire, on n'est pas des acharnés. Et puis, on a tenu compte aussi évidemment des gens avec qui on a discuté, de la vie des gens avec qui on a discuté, et qui étaient raisonnables, les gens qui étaient raisonnables. Pareil, on pourrait aussi le laisser en disant, eh ben on le laisse quand même, ce périmètre, et puis bah, de toute façon, ça se fera jamais, mais ça nous arrange, parce que finalement, du coup, on n'en met que 6 faubourg d'Arras, et ces 5-là à lui-même n'apparaîtront jamais, on le sait. Mais honnêteement, ce serait une malhonnêteté intellectuelle. Donc on ne va pas le faire comme ça, on va le retirer de la concertation et on va se concentrer sur ce site, sur Faubourg d'Arras. D'autres villes comme Lambersart ont fait ça aussi, un site avec 11 logements, et la mail nous dit que c'est facilement gérable et qu'il n'y aura pas de problème. La conclusion de tout ça, puisque j'arrive vers ma conclusion, c'est que lorsqu'on a un peu de courage politique, eh bien, on arrive à trouver des solutions. Pendant 20 ans, l'ancienne majorité, qui avait cette obligation, qui avait beaucoup plus de possibilités foncières de le faire, n'a pas été fichue de trouver un endroit qui convenait. Ils ont fait une proposition le long de la 1, au lieu appelé la Pissatière. Le long de la 1, collé à la 1. Ben, y a des gosses quand même, les gens du voyage. Ces êtres humains, c'est les Français. Ils ont des gosses, on ne va pas les coller le long de la 1. Donc évidemment, la mail, la préfecture disait ben, non, cet endroit-là, c'est pas possible. Après, ils ont proposé Cité Aubsommaire, du côté Thumesnil. Mais la Cité Aubsommaire a cette particularité que l'entrée de la Cité Aubsommaire est très étroite et même pas assez large pour le passage d'une caravane. La mail leur avait dit proposez pas cet endroit-là, on ne va pas le valider, on ne peut même pas y accéder en caravane. Ils l'ont proposé quand même, ce qui leur a permis de dire après, ah mais vous avez vu, hein, nous on fait notre boulot, on propose des endroits, c'est la méchante mail qui veut pas. Mais pareil, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle affligeante, puisque vous savez que c'était pas possible. C'est pas ce que j'appelle du courage politique, bien loin de là. Nous, et c'était une des propositions de la campagne municipale, on met la ville en accord avec la loi, voilà, en répondant à la commande de la métropole européenne de Lille. Et en même temps, on a concerté, on a écouté. Tous les gens qui me disaient « le maire ne concerte pas, n'est pas dans la participation citoyenne ou quoi que ce soit », ben vous avez la preuve qu'on était dans une période de concertation. Et même les gens qui sont venus perturber des événements festifs ou de campagne qui avaient lieu sur la ville en débarquant à 30, je leur avais dit à l'époque, je leur avais dit « si quelque chose se fait à cet endroit ». Et j'ai toujours mis des précautions en disant, en mettant des hypothèses et en disant « si ». Donc voilà,
On écoute les habitants, comme d'habitude, on fait au mieux, et en plus on a cet avantage de mettre la ville en accord avec la loi, ce qui est une très bonne chose. Mais je n'oublie pas tout de même les tentatives de récupération politique en utilisant des fake news pour faire peur. Ça, c'est ce qu'on appelle du Trump, des fake news qui font peur. Et moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. On a quand même une élue sur cette zone qui nous a demandé « Faites-nous la liste des élus de la majorité qui habitent à moins de 200 mètres des endroits proposés. » Manière de dire, on aurait privilégié les endroits où nous, la majorité, n'habitions pas. Je passe juste sous silence le fait qu'un ancien maire avait acheté une parcelle en face de chez lui, justement pour qu'il n'y ait jamais d'installation à cet endroit-là, premièrement. Et deuxièmement, dans les 200 mètres Faubourg d'Arras, j'ai mon premier adjoint, mon adjointe à la culture, mon adjointe en finances, mon adjointe aux affaires sanitaires, qui sont dans ce périmètre-là. Donc venir dire, en plus, vous les avez mis aux endroits où vous n'habitez pas, c'est faux. Il y a aussi des gens qui m'ont dit, vous n'avez qu'à les prendre dans votre jardin, faire construire au fond de votre jardin. Bah, qui viennent dans mon jardin, moi j'ai 120 logements qui sont apparus, même plus bronzés tout nus dans mon jardin, il y a 120 logements dans mon fond de jardin, directement les balcons qui donnent vue dans mon jardin. Alors, je ne dis rien, c'est pour l'intérêt public, il faut construire des logements. Mais les faux procès, ça suffit, les fake news, ça suffit aussi. Si en plus, d'autant plus quand ils surfent sur la haine de l'autre et les discriminations. Et évidemment, je ne mets pas l'ensemble des gens qui étaient juste inquiets et qui voulaient des réponses. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Et ben voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo-là. Je pense qu'on est sur une conclusion positive, comme je vous l'ai dit juste avant, et j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations que j'avais à ma disposition. Sachez tout de même que la MEL va revenir le 22 juin sur la ville pour faire une réunion pareille, publique, concernant cet habitat adapté des gens du voyage. Évidemment, c'est hors période de concertation, puisque la MEL n'a pas réussi à me trouver de date où le vice-président pouvait revenir. Il a un agenda aussi, évidemment, assez chargé. Mais ce sera l'occasion de faire un point à nouveau et de pouvoir discuter de ce qu'est cet habitat adapté qui donc apparaîtra, je vous le rappelle, sur ce site rue du Faubourg d'Arras. Voilà, messieurs, dames, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, pour à quelle heure vous regarderez cette vidéo, et puis à bientôt. Au revoir.